Monsieur ? Monsieur ? Écoutez, désolée, mais je suis un peu pressée. J'ai d'autres livraisons, là. Ça vous fera 10 euros, monsieur. Mais qui êtes-vous ? Bah, la livreuse de pizza, monsieur. Marie-Christine ! Papa, tout va bien. Non, mais regarde-toi. Pardonnez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. Je suis à vous dans une minute. Papa, tout va bien. Pardon, tout va bien. Merci. Mon père est malade, vous voyez. En fait, il appelle tous les jours des numéros comme ça au hasard. Il sait plus du tout ce qu'il raconte. Avant-hier, il nous a commandé des sushis pour 10 personnes. Vous imaginez le tableau. Ça doit pas être facile. Vous avez pas pensé à une maison de repos ? À une résidence ? Non, je préfère pas. Mon père doit rester ici. Proche de ma mère. Vous l'avez vu sur les photos ? Ouais, elle est magnifique. Et encore, si vous l'aviez vue en vrai. Mais je suis désolé. Je sais pas pourquoi je vous ennuie avec tout ça. Pardon. Vous devez être très pressé. Ouais, non, enfin, c'est juste... Et je vous ai même pas réglé la pizza, pardon. Non, mais c'est pas grave. Je vais pas vous l'encaisser, c'est bon. Ah bon ? D'accord, alors est-ce que vous voudriez partager la pizza avec moi ? Pourquoi pas ? Vous ne vous êtes pas encore installé. Allez-y. Faites comme chez vous. C'est pas tous les jours qu'on reçoit de la compagnie, vous savez. Alors si j'avais su qu'on aurait une invitée, j'aurais rangé un peu. Pardon. Voilà. Oh. Allez-y, servez-vous. Oh mais attendez, c'est moi qui perds la mémoire maintenant. Voilà. Tenez. Merci. On peut se tutoyer ? Ouais. Comment tu t'appelles ? Solange. Et toi ? Julien. Mais ma mère m'appelait Juju. Ah. Vas-y, serre-toi. Bon appétit. C'est toi qui les cuisines ? Non, je la livre, c'est tout. Et qu'est-ce que tu fais d'autre à côté ? Je fais des études de compta. Tu comptes les pizzas ? Et toi, tu fais quoi ? Mon père était photographe. Ouais. J'ai un peu pris le relais. Tu me montres ? Voilà, l'Égypte et l'Antarctique. T'as de la chance d'avoir pu voyager comme ça. Moi, je suis pas allée plus loin qu'en France. Non, mais je dois être horrible, là. Regarde. On va attendre quelques secondes et on va découvrir comme tu es belle. Tu vois ? Hey. Celle-là, je crois que je vais la garder pour moi. Ça te va ? Un peu de musique ? Je peux te faire écouter un morceau si tu veux. Ouais. Depuis que ma mère nous a quittés, je l'écoute en boucle. Ok.
Julien. Julien. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pas venu me voir? Oui, mais j'ai une invitée ce soir, tu vois pas? Attends. C'est Marie-Christine. Non, mais c'est pas Marie-Christine. Mais elle va venir tout à l'heure, t'en fais pas. Pardon? Mais je peux emprunter vos toilettes? Oui, oui, bien sûr, vas-y, c'est la deuxième à gauche. Oui? Oui, pardon. Non, non, c'est le client, il voulait pas régler la pizza, alors je... Oui, oui, d'accord, oui. Julien? Julien? Oh. Elle est fermée, la porte, là. Mais elle est fermée, comment ça? Attends. Ah, je suis désolé. C'est mon père qui cache les clés. Ma mère qui lui faisait des jeux pour tester sa mémoire. Ouais, mais si j'explique ça à mon patron, il va jamais me croire. Non, mais t'en fais pas, t'en fais pas. Là, j'ai l'habitude. Bon alors, elle est où cette fichue clé? Je la reconnais, celle-là. Ah oui, quelle observatrice. C'était son costume préféré. Tu voudrais pas l'essayer? Moi? Non. Ah si. Regarde. Elle avait une perruque. Tu veux pas essayer le costume? Ma mère était toujours déguisée comme ça. Il te donnera la clé tout de suite. D'accord? Ouais. Attends, bouge pas. La clé, s'il te plaît, la clé. La clé, maintenant. I'm
Et Christine, tu t'es passée où ? J'étais partie en voyage, mais je suis revenue maintenant. Est-ce que je peux te faire un câlin, ma chouette, ma toute douce ? T'es enfin revenue. Tu vois, papa, elle est de retour. Elle est où, la clé ? Alors, Marie-Christine, tu veux rester avec nous ? Je pourrais faire de toi une star, la chouette. Fais ton choix. Ce soir, je renais. Julien ! Julien ! Mon fils ! Qu'est-ce qu'elle te fait ? Julien ! Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Rien ! Marie-Christine, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle est partie ! Elle est partie ! C'était pas Marie-Christine ! Non, 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 non.